Quand j'ai reçu l'invitation, je pense grâce à Jacques Glowinski, de parler dans les circonstances où nous sommes, j'ai véritablement été très ému parce que, tout le monde le sait, mais enfin, évidemment, je ne suis pas un élève d'Yves Laporte, évidemment, je ne suis pas un neurologiste de formation ni d'activité permanente, et si j'ai accepté véritablement avec une grande émotion, c'est parce que cet homme que j'ai rencontré dans les circonstances dont je vous parle dans un instant m'a à la fois impressionné et, je dois dire, c'est un mot peut-être un peu simplé, charmé. C'était un homme qui avait une personnalité telle qu'on ne pouvait pas résister à la possibilité de le fréquenter. J'étais, comme étudiant, locataire d'une chambre rue des Écoles, et pendant que j'étais étudiant pour aller à la faculté de médecine, je passais devant le collège tous les jours, je suis entré quelquefois par curiosité, intéressé, car l'exceptionnel niveau des professeurs et le nom de Claude Bernard façonnaient une sorte d'ambition en moi. Plus tard, Antoine Lacassagne, Françoise Héritier, Nicole-Edouard Rhin, François Gros m'ont aidé à être élu. Yves Laporte n'était plus administrateur depuis plusieurs années. Mais auparavant, nous avions beaucoup conversé, sans rapport d'ailleurs, avec le Collège de France, que ni lui ni moi n'avons jamais évoqué, même allusivement, dans mon nombreuses conversations. Ces conversations découlaient de nos rencontres fréquentes dans les allées de la Croix-Catelan, et ce qui nous a rapprochés, c'est peut-être quelque chose que l'on connaît moins de lui, c'est qu'il adorait le tennis et il jouait très bien. Il jouait régulièrement, il s'entraînait. Moi je m'entraînais une fois par semaine, au mieux, et ni lui ni moi ne connaissions grand monde parmi les membres du club, et nous avons fini par jouer ensemble régulièrement. Et puis après chaque partie, nous échangeions pendant une demi-heure des propos, disons, scientifiques, chacun d'ailleurs sur ce qui intéressait l'autre. Et il m'a impressionné d'emblée par son comportement persévérant, son autocritique et sa critique directe de chacun des problèmes, et l'ouverture, en fait, multidisciplinaire de chacune des descriptions très précises de son propre travail. Ce qui n'était pas évident si on en restait à la surface. L'énoncé de la complexité évidente des fonctions et du fonctionnement du système nerveux central qui se dégageait de l'évocation de son activité me fascinait, car il les évoquait sur la base de très précises études neurophysiologiques qu'il simplifiait pour essayer de me les faire comprendre. Il réveillait en moi un goût pour l'étude du système nerveux qui m'avait poursuivi sans que je le concrétise depuis mes années d'internat en neurologie et en psychiatrie. J'avais le désir donc de participer de façon efficace, concrète, à l'étude du système nerveux, et ça s'est passé assez tard, mais je crois que c'est grâce à lui que j'ai persévéré dans ce goût, dans ce désir, et je lui en suis extrêmement reconnaissant. Je me permets de citer quelques-unes des caractéristiques qui m'avaient littéralement ébloui. D'abord, sa liberté d'esprit au niveau de la recherche, qu'il pratiquait bien sûr, mais également qu'il attribuait avec jugement aux activités des autres. L'enseignement très simple, sans simplification pédagogique des thèmes de recherche qu'il pratiquait. Une motivation sans concession de ne pas se laisser distraire de la recherche par des tâches inutiles. Et il a réussi cela en dépit, malgré, si l'on peut dire, les hautes fonctions qu'il a occupées, bien sûr. Et puis, cette description qu'il avait de son maître, qui a été beaucoup évoqué aujourd'hui, bien sûr, Alfred Fessard, son prédécesseur, finalement,
dont il n'avait pas été l'élève, avec lequel il n'a pas fait de travail commun, mais dont il parlait toujours en évoquant l'importance pour lui de ses rencontres et des conseils scientifiques qu'il en retirait. Et en même temps que la reconnaissance réelle et sincère, non seulement de M. Fessard, mais également de ses collaborateurs, il était extrêmement objectif sur les innombrables, il disait innombrables, critiques de ses collaborateurs à lui-même. Et on était reconnaissant avec beaucoup de sincérité. J'étais à l'extérieur et je peux témoigner de cette merveilleuse façon de reconnaître l'apport des autres qui est plus complexe que l'on croit en général. En plus, il avait, on l'a déjà dit, ce souci de l'histoire de la science et que n'ai-je entendu et appris, bien sûr, sur Magendie, Brown-Séquard, Marais, Gillet, qui était un peu endocrinologiste, vous le savez, naturellement, monsieur et madame Fessard, et le psychologue Pierron, dont il appréciait tellement la considération pour des fonctions nerveuses élémentaires du type de celles que lui-même étudiait. C'est Yves Laporte que j'ai étudié, que Claude Bernard, je ne le savais pas, avait découvert des nerfs vasomoteurs et avait consacré de nombreuses leçons à la neurophysiologie et que Yves Laporte aimait dire que Claude Bernard déclarait sans ambiguïté qu'il fallait expérimenter sur les organes nerveux avec les mêmes méthodes que sur les corps bruts, car s'ils diffèrent d'eux par leur complexité, ils sont régis par les mêmes lois. J'aimais cette façon dont Yves Laporte parlait grandement des hommes qu'il admirait. Il s'enthousiasmait, bien entendu, pour tous les aspects concrètement expérimentaux de l'étude du système nerveux. Ça a été dit tellement aujourd'hui et par des gens qui sont bien entendu plus informés et plus compétents que je ne saurais l'être, que je n'en dis pas plus sur ce point, mais il était, cette étude, pour moi, m'indiquait sa pensée pour ce qui est le plus complexe, sa pensée profonde, sa pensée interrogative, pour ce qui est le plus complexe, alors que, pour certains, il semblait travailler sur des choses très précises, voire limitées, ce qui est bien entendu seulement une apparence. C'était un grand savant. En plus, il ne considérait pas qu'il y avait, dans l'étude du système nerveux, de hiérarchie entre les différentes voies d'approche. Et il était cependant conscient, bien sûr, de l'énigme de la différence de nature entre les signes de l'activité nerveuse qu'on sait déceler, auxquels il participait, et les manifestations les plus intégrées du système nerveux qui en découlent. Il disait que la voie foncièrement analytique qu'il suivait lui semblait permettre de mettre l'accent sur les progrès considérables de nos moyens techniques d'analyser toute la méthodologie scientifique du domaine. Il aimait beaucoup ce mot, la microphysiologie. Il était véritablement non seulement intéressé, mais conscient de l'importance que cette possibilité de quantification petite, évidemment, pouvait apporter. Et on a encore rappelé, François l'a dit il y a une seconde, son habileté à pouvoir étudier dans l'unité des éléments du système nerveux de façon exceptionnellement habile et, j'ajouterais, intelligente. Donc c'était un homme qui s'intéressait à tout, à partir de ce qu'il faisait, avec ce qu'il faisait. Et dans les conversations que j'avais avec lui, je crois que ce qui...
que vous pouvez lui apporter comme information était en quelque sorte une addition à ce qu'on fait en général quand on étudie le système nerveux, c'est-à-dire que l'on manque d'étudier ce que, il disait, il apporte, faute de mieux, on appelle trophique, et dont le mécanisme est loin d'élucider, et que les hormones, entre autres, permettent d'examiner de façon plus précise. Ensuite et enfin, je veux dire que son insistance à la coopération des différentes activités scientifiques, en particulier pour étudier l'innervation motrice des fuseaux neuromusculaires, a été, à mon sens, un très très grand exemple d'une ouverture intellectuelle, celle qui mène au succès. Les progrès qui ont été faits à la fin du siècle précédent, de notre 20e siècle, majoritaire évidemment pour nous tous ici, introduisaient des aussi, on le sait évidemment, des compétences nouvelles, celles de ceux que Yves Laporte appelait les automaticiens et les informaticiens. Non seulement ça ne lui avait pas échappé, mais il était observé, sans y participer directement lui-même à ce que je crois, par les possibilités d'évaluer la complexité, la multiplicité, la variabilité de la moindre activité nerveuse. L'ambition de pénétrer concrètement les difficultés faisait qu'il n'était pas effrayé par la diversité méthodologique croissante des approches scientifiques contemporaines. Au contraire, il en semblait content, et avec son calme et son humour, c'était d'autant plus frappant, et en parler avec cet optimisme basé sur ce qu'il considérait comme fondamental, à savoir la liberté du travail de recherche et l'esprit de collaboration des scientifiques entre eux. Merci.